Bonjour tout le monde, modérateurs et panélistes distingués, collègues du département fédéral des affaires étrangères suisses, collègues de cour, mesdames et messieurs. C'est un vrai honneur d'avoir l'occasion de vous souhaiter la bienvenue à cette réunion. Et je voudrais aussi dire Eid Mubarak à nos frères et sœurs musulmans qui nous rejoignent. Je suis Alan Chana, membre de l'équipe organisatrice du dialogue de COP sur l'environnement et la sécurité. Et j'ai le plaisir de vous présenter M. Luc Mekadja, notre modérateur aujourd'hui. Luc est fondateur et président du think tank GPS Dev. Il est ancien secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, et il est l'ancien ministre de l'Environnement et du Développement Urbain du Bénin. Il fut aussi un des fondateurs des dialogues sur l'environnement et la sécurité ici à Co, il y a 11 ans. Il est donc un guide et un visionnaire de ce projet. Luc, je vous passe la parole. Merci, merci beaucoup Alan. Et bonjour à tous, c'est un plaisir et un privilège pour moi d'être de vôtre ce jour et de modérer un panel si relevé que j'aurai bientôt l'occasion de vous présenter. Les nations d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont confrontées à de nombreux défis qui sont interconnectés. Ils ont pour nom insécurité alimentaire, pauvreté, dégradation de l'environnement, changement climatique, mauvaise gouvernance, extrémisme violent et conflit. Tout ce contexte général dont on ne connaît pas encore tout à fait les impacts du COVID-19 parce qu'ils sont largement méconnus ou pas. Ce qu'on a appelé la déclaration de Bamako, qui est issue de la conférence dite « Vaincre la famine au Sahel » qui s'est tenue à Bamako en février 2019, avec quelques 600 participants représentant 30 pays d'Afrique, beaucoup d'organisations multilatérales, sociétés de la société civile et du secteur privé aussi. Alors, premièrement, ils ont dit « La tendance à long terme de la dégradation des sols et les effets des changements climatiques dans le Sahel ont contribué à amener la région à un état de crise. » Premier de leurs constats. J'en ai retenu trois, plus une conclusion. Le deuxième constat dit, d'autre part, il existe des pratiques de reverdissement et de restauration des sols hautement efficaces et éprouvées qui ont déjà été appliquées avec succès dans la région sahélienne. Troisième constat, les petits agriculteurs et pasteurs peuvent protéger et régénérer des densités d'arbres bien plus élevées sur leurs terres, créant ainsi un environnement propice à une restauration ambitieuse des terres tout en s'adaptant aux effets du changement climatique. Et voici l'une de leurs conclusions. Donc, les participants dans leur conclusion soulignent entre autres une gestion des systèmes des pasteurs ou des paysans constituent la base de la lutte contre la dégradation des terres et les effets du changement climatique, ainsi que d'une stratégie efficace pour vaincre la famine, mettre fin à la malnutrition, créer un nombre considérable d'emplois ruraux et réduire les conflits liés à l'utilisation des ressources. Alors, vous pouvez bien comprendre, chers participants à ce webinaire, le thème et l'ambition du présent webinaire, à savoir susciter des solutions politiques et communautaires pour la gouvernance de la terre en Afrique de l'Ouest et du Centre, une voie vers la paix et la prospérité. Comment allons-nous procéder? Mon ambition personnelle en tant que modérateur est de parvenir à stimuler une nouvelle réflexion permettant de renforcer la coopération régionale et susciter des solutions politiques et communautaires afin de
que l'utilisation des terres et des ressources en Afrique de l'Ouest et du Centre cesse d'être conflictogène et que leur gouvernance contribue à catalyser effectivement et durablement la paix, j'allais dire à enraciner la paix et la prospérité dans la région. Alors, comment allons-nous procéder? Je vais m'employer et les panélistes vont m'y aider à ce que nous ayons un échange, d'abord un échange interactif entre eux et ensuite avec l'auditoire, en nous appuyant sur des expériences concrètes des dimensions transversales de la gouvernance de la terre en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et quand je dis terre, entendez terre et l'eau. Et ensuite, explorer les intersections et solutions entre la gouvernance de la terre et de l'eau, et donc les questions de sécurité alimentaire, de dégradation de l'environnement, de résilience climatique, de transhumance, de gestion des aires protégées, d'extraction des ressources naturelles, ainsi que la concurrence des ressources. Webinaire en trois temps. Il y aura d'abord une brève présentation liminaire par un panéliste. Ensuite, les trois autres panélistes vont réagir en tant que, comme on dit, personne discutant, répondant, réagissant sur ce qu'il aura dit. Et enfin, il y aura des questions-réponses de votre part. Je voudrais dès maintenant, chers participants, vous inviter à nous envoyer vos questions en les tapant dans la boîte de discussion de Zoom qui est au bas de votre écran. Je me ferai le plaisir de relayer vos questions. Problématiques dont nous discutons et qui vont éclairer un peu. Alors, il me plaît de vous introduire à M. Boubacar Ba. C'est de lui que nous entendrons l'introduction liminaire. M. Ba est directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Il est aussi directeur de l'ONG Éveil. M. Ba est basé à Mopti, au Mali. Il est chercheur en sciences juridiques et écologiques, et d'écologie politique, pardon. Il a réalisé de nombreuses recherches sur le terrain et notamment sur les conflits agro-pastoraux et le développement des groupes djihadistes dans le centre du Mali. Il est le responsable du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, comme je l'avais dit. Monsieur Ba, merci d'être des nôtres. Nous aurons aussi, après Monsieur Ba, Monsieur Ousseini Kalilou. Monsieur Ousseini Kalilou est coprésident du Forest Interest Group et du Environmental Peace Building Association. Il est aussi l'auteur de Changement climatique et conflit au Sahel, l'acacia, l'arbre, l'acacia comme outil de consolidation de la paix environnementale. Nous aurons Madame Salimata Mahamadou. Madame Salimata est originaire du Niger. Elle est actuellement associée de recherche au sein du Global Restoration Initiative du World Resource Institute. Elle est basée à Washington, D.C. Merci d'être des nôtres, Madame Mahamadou. J'imagine qu'il est très tôt pour vous à Washington actuellement. Merci d'être des nôtres. Et nous aurons M. Abdoulaye Mahamadou. M. Abdoulaye Mahamadou est le secrétaire exécutif, qu'on ne présente plus, du comité permanent inter-État de la lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Et c'est de lui que nous entendrons certainement des propositions prospectives sur comment est-ce que l'action publique devrait changer. M. Mahamadou, merci d'être des nôtres. Alors, nous allons commencer la première séquence de la rencontre et je vais inviter M. Boubacar Ba à nous donner sa communication introductive en une dizaine de minutes, certainement, en étant très spécifique sur les expériences concrètes et les exemples qui illustrent la situation actuelle, ainsi que les pistes de solutions politiques, y compris des solutions communautaires qui permettent de catalyser le changement vers une paix et une prospérité enracinée dans la région. Monsieur Boubacar Ba, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais, à l'entame de mes propos, remercier les organisateurs de ce webinaire. Je parle des collègues suisses et qui sont basés en Suisse, les différentes organisations qui se sont mobilisées et puis tous les acteurs au niveau international. Et je voudrais structurer mon intervention
autour de trois points. Le premier point, je vais essayer de très rapidement de parler du contexte de la problématique de la Terre dans l'environnement international. Et dans un deuxième point, je vais parler du concept de l'écologie politique et des changements climatiques et des conflits. Et dans un troisième point, rapidement, je vais dégager des pistes qu'on peut qualifier de pistes concrètes et politiques et communautaires et qui pourront nous aider à construire ce débat. Et par rapport au premier point, je voudrais vous dire tout simplement que le domaine du foncier, d'une façon générale, de la Terre, la gouvernance de la Terre, des changements climatiques a évolué au cours de ces 15 dernières années, passant des marges de recherche universitaire et du débat politique jusqu'à devenir une préoccupation importante des acteurs étatiques et de la communauté internationale. Il semble que dans les pays du Sahel, donc les pays du Sahel où je me trouve, et ces pays du Sahel sont devenus un espace de prédilection pour débattre cette question de la gouvernance de la Terre et des effets des changements climatiques en fonction des crises multidimensionnelles. Je parle du Mali depuis 2012, de la production des rapports et des analyses et publications. Nous savons aujourd'hui qu'il y a des acteurs mobilisés sur la question. Depuis une trentaine d'années, je parle de l'Anthony Center aux États-Unis, à l'Université de Wisconsin, jusqu'aux organisations comme CIPRI, Cascade, Planetary Security Initiative, ou Adelphi, et entre autres, une quantité importante d'analyses ont été faites. Mais sans convaincre aujourd'hui les spécialistes des conflits du Sahel sur aujourd'hui la gouvernance de la Terre. Donc à ce titre, je voudrais vous dire que le champ de prédilection de mon analyse se situe dans le centre du Mali. Je le schématise du point de vue de la dimension géographique comme un oiseau aquatique qui plie et replie ses ailes. Le corps de l'oiseau, c'est la zone inondée. Et les ailes, ce sont les zones exondées est et ouest. Je le présente de ce point de vue caricatural, mais vous comprendrez que dans l'analyse de la dimension géographique et spatiale, cette présentation du delta aujourd'hui préfigure de la complexité de la gouvernance des terres et des conflits. Parce que vous allez voir, quand je vais sortir tout de suite de cette dimension géographique, c'est-à-dire une zone inondée, où se trouve l'épicentre de la Katiba Massina, et les zones exondées où nous avons du côté est le Seno et le Gourma central, et du côté est, nous avons la zone du Mema et du Sahel. Vous avez ici toute la configuration d'une zone avec la transhumance, avec une agriculture itinérante pluviale ou sèche, et avec la combinaison des quatre systèmes de production. Je parle du système pastoral dominant, parce que depuis la Dina du Massina, c'est le système qui préfigure d'une certaine dominance et du point de vue institutionnel ou relationnel. Le système agricole, qui est un système délégué des gestionnaires du système pastoral. Du système halieutique, qui est aussi un système délégué des gestionnaires du système pastoral. Et du système, je dis bien, des forêts naturelles. Là, je vais vous donner deux exemples concrets pour illustrer mes propos. En 2012, lorsqu'il y a eu le président de la transition du Mali, il a été agressé à Bamako en mai 2012 et laissé pour mort. Ça, c'est une histoire grave. Ce jour-là, une communauté sédentaire est partie dans un village qui s'appelle Sari. Ce sont les sédentaires qui sont partis dans un village à dominante pastorale pour aller s'attaquer à ce village parce qu'il y avait un contentieux conflit et foncier.
Le problème de ce conflit, c'est l'écologie politique. Je l'explique un peu sur la base de l'analyse qui a été faite par certains spécialistes comme Thomas Homer Dixon, qui explique que les conflits sont des interactions entre facteurs politiques, économiques et environnementaux. Et surtout, M. Thomas Dixon nous explique que les surexploitations, la dégradation ou la pénurie des ressources naturelles comme cause de conflit. C'est dans cette zone du Sono où les populations sédentaires, après plusieurs sécheresses, les années 70, les années 80, sont descendues des falaises et ont occupé, avec la bénédiction de certaines communautés, la zone du Sono. Donc 2012 a été le bouleversement de ces relations sociales et communautaires. Les sédentaires ont détruit le village, ils ont tué 22 personnes, ils ont détruit les puits, ils ont fait chasser les communautés, ils ont occupé les terres. Voilà un exemple illustratif de l'écologie politique des conflits dans la zone des Sénos. Et c'est depuis ce jour que les communautés pastorales, je parle des Peuls, ont engagé un conflit meurtrier qui est aujourd'hui à quelques kilomètres des abords de Bamako. Deuxième illustration, dans le delta intérieur du Niger, lorsque les groupes djihadistes, il faut le dire par les mots, avec des combattants moudjahidines venus du nord, ont été dispersés en 2013, après la bataille de Konna, sont revenus pour réoccuper le terrain. Ils ont décidé en 2017 de demander, je parle des allochtones du Sénon, les Ouarbés qui sont dans la zone du Nampalari, c'est-à-dire dans la région de Ségou, et les éleveurs du Tchoki qui sont dans la boucle du Niger, qui sont importants dans le dispositif, qu'on les appelle allochtones, face aux autochtones du Delta central. Les allochtones ont demandé à ceux qu'ils aient accès aux terres du Delta sans payer les redevances. Après des discussions, après des rencontres, ils ont engagé un combat contre les éleveurs autochtones pendant plus d'un an, qui a conduit à des morts et des blessés. Aujourd'hui, il y a le concept de l'écologie politique qui se pose dans cette zone du Delta parce que les éleveurs autochtones pensent qu'au nom de l'islam, qui est un islam pour tout le monde, tous les musulmans ont accès à la terre, ont accès à l'eau, ont accès au feu d'une façon gratuite. Ils ont engagé ce combat et aujourd'hui encore, ce combat continue autrement. Et la question de l'écologie politique, elle est aujourd'hui au cœur de la problématique pastorale, de la problématique de la gestion de son territoire et de la problématique aujourd'hui de la question djihadiste dans le centre du Mali. Voilà deux illustrations concrètes. La zone exondée du Sénos en 2012, la zone du Delta central en 2017, avec un maillage et surtout une forme de complication et de complexité, non seulement du point de vue religieux, islamique, parce que ces nouveaux maîtres pratiquent un djihad défensif ou un djihad offensif en fonction de leurs intérêts, c'est-à-dire les gens de la Katiba Massina pratiquent un djihad défensif. Ils contrôlent les villages. Aller au-delà. Monsieur Ba. Oui. Ce que vous nous dites est tellement impressionnant sur les exemples, mais il vous reste seulement une minute pour nous parler des solutions. Oui, merci beaucoup. Et donnez-moi deux minutes, s'il vous plaît. Et je pense que sur la base de cette complexité que vous comprenez tout à l'heure, je voudrais, si vous le permettez, parce que monsieur le modérateur me rappelle à l'ordre, vous donner quelques pistes catalytiques de solutions au niveau de la superstructure et au niveau de l'infrastructure. D'abord, il faudrait continuer à analyser les facteurs déclencheurs des conflits en vue de résorber les fragilités structurelles. Je parle de l'extrême pauvreté dans ces zones, de la vulnérabilité et de la stigmatisation communautaire. C'est-à-dire jusqu'à présent, la plupart des études se sont focalisées sur les changements climatiques et surtout des variabilités climatiques. Ma recommandation porte surtout sur
la sensibilité au conflit. Il faudrait analyser les facteurs sensibles au conflit, en lien avec les changements climatiques, la gouvernance et les autres éléments. La deuxième recommandation, c'est d'approfondir la recherche sur le lien entre changement climatique, conflictualité, gouvernance et écologie politique. La troisième recommandation, c'est de comprendre aujourd'hui quel est le type de débat doctrinal qu'il faudrait mener dans cette zone si nous voulons trouver la solution. Parce que les groupes armés, qu'ils soient des groupes dits djihadistes ou des milices locales, ont occupé plusieurs zones. Vous avez vu un peu la zone du Gourma centrale, les trois pays, Mali, Burkina et Niger. Vous avez vu un peu la complexité et surtout les clashs communautaires. Vous avez vu le centre du Mali d'une façon générale. Donc, il faut un débat doctrinal avec ces acteurs pour leur montrer qu'aujourd'hui, il est possible de trouver des solutions endogènes impliquant les autorités locales et surtout les légitimes traditionnelles. Et enfin, la dernière recommandation, c'est de renforcer les mécanismes de médiation et de dialogue endogène en investissant dans la résolution des conflits et assainir le climat de la géopolitique internationale qui influence. Il va falloir, dans cette dimension de la gouvernance de la Terre, qu'on s'inspire des mécanismes endogènes et émergents, mais aussi qu'on prenne en compte les conflits globaux, tels que je viens de les décrire, et qu'on laisse aux communautés avec les États d'analyser les problèmes et que la communauté internationale soit plus raisonnable et qu'on ne trouve pas seulement la solution à Genève, à Washington ou à Paris. Ce n'est ni, je dis bien, la grande muraille verte dont on parle ou bien les grands financements mobilisés, mais plutôt des petits financements qui seront gérés par les communautés avec la bienveillance de la communauté internationale, bien sûr, mais des États. Voilà, monsieur le modérateur, mon introduction liminaire à cette réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Ba, pour avoir planté le décor, avoir illustré la problématique, en particulier en ce qui concerne la dynamique locale, le lien avec les actions, y compris au niveau international, et avoir mis en place 4 pistes de solutions. Merci beaucoup. Je vais maintenant solliciter monsieur Khalilou Ousseini. Monsieur Khalilou Ousseini, je voudrais que vous nous parliez un peu des solutions communautaires dont a brièvement abordé. Quelles sont les solutions communautaires et ici vraiment des exemples concrets de réussite, mais aussi éventuellement des leçons à tirer des échecs éventuels pour catalyser la paix, la prospérité par la gouvernance des terres et de l'eau dans la région. Vous avez la parole, M. Khalilou. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, selon où vous trouvez, chère aimable audience. Je vous souhaite une très bonne fête de Tabaski. Merci, Luc, pour cette belle introduction. C'est vraiment, et je remercie aussi les organisateurs pour ce liste forum. C'est un honneur pour moi d'être là et surtout présenté avec ces éminents panélistes. Monsieur Luc, j'aimerais bâtir sur la brillante présentation de Monsieur Ba, surtout quand il a parlé de la partie Massina, qui est un prolongement, vous le savez très bien, de la zone des trois frontières du Litako-Gourma. Aussi la brillante question qu'il a posée, quelle est la doctrine qu'il faut adopter? Et moi, je lui dis 3 mots. Consolidation de la paix environnementale. Donc, au Sahel, le problème est que le changement climatique et la dégradation de l'environnement aggravent la pénurie de l'eau et les autres ressources naturelles, l'improductivité des terres, l'érosion, la désertification. Et tout cela contribue à l'insécurité alimentaire, comme vous l'avez dit, M. Lick,
la hausse des prix, la migration, le déplacement des masses, qui à leur tour contribuent à la compétition, à des tensions, aux conflits violents, des insurrections. Et les groupes armés profitent pour recruter les plus vulnérables et les frustrés. J'ai conduit une recherche, vous l'avez mentionné, sur le terrain, et j'ai découvert que l'acacia et son produit, le goma arabica, sont des outils très précieux de la consolidation de la paix environnementale et la pratique de la sécurité climatique. Une réponse peut-être à la doctrine que M. Ba a énumérée. Donc, c'est quoi la gomme arabica? C'est l'exudat de la sève de l'acacia qui se solidifie au contact de l'air. Une fois sur le terrain, j'ai visité plusieurs sites, dont le site de sécrétation carbone de Kida. C'est un projet, le projet Kida est un projet, est un programme d'action communautaire dans le cadre des standards climat communauté et biodiversité CCBA, une stratégie d'implémentation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, vous en savez beaucoup, M. Luc, de 1992 et le protocole de Kyoto de 1997. Donc, Kida est le prototype des pratiques de la consolidation de la paix environnementale qui est définie comme une coopération entre les parties, les partenaires internationaux, les gouvernements locaux, les communautés locales et le secteur privé. Dans le cas précis de Chida, nous avons la Banque mondiale, Green Fund, nous avons le gouvernement du Niger à travers le ministère de l'Environnement qui a envoyé une somme et aussi des techniciens pour assister les communautés locales. Donc, la communauté, l'autre partie de la coopération de Chida, c'est une communauté composée de 6 villages de 6 000 à 7 000 habitants. Et le secteur privé a investi, nous avons ASSI International, Achats Service International, et maintenant nous avons d'autres business comme ADAX, qui sont investis dans la production de la gomme arabique. Donc, quand j'ai été à Chida, j'ai observé et j'ai constaté que les agronomes conseillent la communauté locale à travers l'utilisation des techniques de gestion durable, utilisant le plan de l'acacia en tant que pionnier dans les terres fertiles, pour récupérer les terres et rendre la terre très fertile, fertile autant pour moi. Donc, la production de la gomme arabique impacte les niveaux de conflits violents à travers l'amélioration écologique, la sécurité environnementale, la sécurité alimentaire, la sécurité de l'eau. La production de la gomme arabique a un impact sur le niveau des conflits violents en réduisant la pauvreté. Nous avons l'augmentation de la sécurité économique, la sécurité sociale, la stratégie de subsistance des ménages. La gomme arabique est favorable aux conditions drastiques du Sahel. Le produit gomme est très convoité par les multinationales, win-win situation. Donc, la gomme arabique, à travers la sécurité environnementale, les agronomistes, à travers les interviews, ont dit que l'arbre gomme arabique ou l'acacia est un fixeur d'azote, excellent en séquestration naturelle du carbone, et un excellent microclimat. Donc, à cause de ce microclimat, les agronomistes utilisent l'acacia pour la double culture
les cultures intercalaires. Donc, à travers les la gestion de, durable des terres, la sécurité de l'eau à travers le reboisement qui conduit aux eaux pluviales et les eaux pluviales qui conduisent à la montée de la nappe phréatique et la restauration de la diversité, de la biodiversité. La gomme arabique augmente ou contribue à la réduction de la pauvreté comme marchandise au niveau national, comme une culture de rente au niveau individuel, et aussi contribue à la sécurité sociale et à la cohésion sociale. La gomme arabique est une stratégie de survie des ménages. On peut revenir dans les débats. Donc, la gomme arabique de la production de la plantation des plants jusqu'à la commercialisation du produit gomme est une source d'emploi et aussi une source de cohésion sociale. La gomme arabique, les femmes sont les cueilleuses, les femmes et les filles du produit gomme. Donc, c'est une source d'autonomisation des femmes. Donc, les facteurs contraignants et les implications des efforts de la consolidation de la paix environnementale. Au Sahel, nous avons la corruption, la mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des ressources, la volonté politique, la fragilité de l'État, l'accaparement des terres par les élites locales et les partenaires extérieurs, laissant les paysans sans terre, la pluralité juridique et enjeux fonciers, surtout pour les femmes. Dans pluralité juridique, je parle de la juxtaposition des normes juridiques héritées de la colonisation sur les cultures, les coutumes et les pratiques ancestrales. Maintenant, aux recommandations ou bien le futur, il faut une inclusion des femmes et des jeunes défavorisés aussi pour un potentiel de dialogue, inclure des éleveurs. Le problème économique est l'inciteur principal de recrutement par les groupes armés. Donc, il faut mettre au centre et au fond de la gouvernance des terres les marginalisés. Une approche multidimensionnelle et multisectorielle et aussi de coloniser la coopération en procédant à une approche ascendante et aussi à utiliser les arbres indigènes dans la grande muraille verte panafricaine pour le Sahel. Et je vous dis merci beaucoup et j'attends beaucoup de questions pour un débat. Merci beaucoup, M. Kalilou. Des questions, vous en aurez assurément, en particulier par rapport aux contraintes que vous avez mises en lumière pour pouvoir au mieux utiliser le potentiel de l'acacia comme arbre qui permet de restaurer les terres et en même temps dont le produit, la gomme arabique aussi, est une ressource qui permet de réduire la vulnérabilité des populations, accroître leur résilience. Vous aurez des questions, vous en faites pas. Nous allons maintenant passer à une intervenante qui, bien que étant à Washington DC, connaît bien la problématique. Et je voudrais, Madame Mahamadou, vous prier de nous dire comment promouvoir, parce que comment promouvoir les rôle des jeunes et des femmes et des communautés dans un contexte qui est aussi tendu et qui permettrait de catalyser la gouvernance des terres comme élément d'enracinement de la paix et d'une prospérité partagée.
Madame Mahamadou, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et comme l'a souligné, j'aimerais juste dire que comme l'a souligné M. Babacar Ba, nos communautés africaines, sont surtout soudano-sahéliennes, dépendent des écosystèmes enracinés dans le sol. Par conséquent, la course actuelle qu'on voit aux ressources de la terre et à nous exige une réelle coopération entre toutes les parties prenantes. Donc, je veux vraiment réitérer ce point. Et pour répondre à votre question, je vais commencer en soulignant le fait que dans le cadre de notre travail, qui se concentre essentiellement dans le reverdissement des terres en Afrique, la cause profonde et récurrente des conflits concernant les terres est la difficulté des individus à créer un cadre institutionnel efficace pour le règlement des différends et surtout pour une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Par conséquent, résoudre ces conflits et résoudre les défis conflictuels signifie de négocier des accords à l'aide des mécanismes, mais également aux institutions qui facilitent la participation de toutes les parties prenantes, surtout les plus marginalisées, les femmes, comme vous l'avez souligné. Cela exige donc une réelle coordination sur plusieurs fronts, pas seulement l'aspect environnemental, mais également l'aspect social, l'aspect conflictuel, l'aspect sécurité. Mais il faut faire attention. Très souvent, lorsqu'on parle de restauration des terres, on parle automatiquement de la bonne gouvernance qui est nécessaire pour assurer une certaine cohésion des différents acteurs. Et on parle surtout de la création d'institutions paysannes de gestion de ces ressources. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de trois grands exemples qui vont souligner et vous montrer comment est-ce qu'on peut améliorer l'intégration des communautés marginalisées, surtout les femmes et les jeunes. Et surtout, qu'est-ce qu'on doit vraiment garder en tête, quelle est la complexité de la gouvernance de la restauration des terres ou de la gestion environnementale qu'on doit garder en tête. Le premier des aspects que je veux souligner, c'est que les efforts de restauration des terres sur les terres dégradées peuvent courir des risques d'accentuation de la vulnérabilité. Et je tiens à réitérer ça. On pense, lorsqu'on dit restauration, on pense déjà à l'aspect positif, mais ça peut avoir un aspect négatif. Au Sahel et dans beaucoup de nos écosystèmes africains, même les terres les plus vulnérables ont une valeur. Ce sont les terres où les agriculteurs où sont des passages de pâture, par exemple pour le bétail, comme l'a souligné M. Babacar, ou encore une source très importante de plantes sauvages ou de bois de cueillette que font les femmes. Donc, une zone très importante. Donc, je veux que lorsqu'on parle de la restauration des terres, qu'on fasse très attention à ce qu'on appelle vraiment cette gouvernance et ne pas avoir des effets négatifs. Je vais vous donner un exemple. Dans la zone de Kouré, qui est la zone phare qui regroupe les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest, c'est une zone qui, compte tenu de sa complexité, de son unique écosystème qui est la bouse tigrée, qui est l'habitat idéal pour ces girafes. Donc, le gouvernement, dans une optique de créer et de sécuriser cette zone, a décidé et avait pour ambition de créer un système de protection de cette zone. Mais ils ont oublié que ces zones sont également propices. Par exemple, il y avait énormément de femmes dans ces communautés qui utilisaient ces zones pour la cueillette. Donc, je pense que lorsqu'on parle de restauration, lorsqu'on parle de gouvernance, il faut vraiment faire attention aux efforts et surtout à l'impact que ces efforts peuvent avoir. Le second point, c'est l'augmentation, le fait que l'augmentation de la valeur des terres dégradées, donc en les restaurant, peut conduire à l'accaparation des terres et à l'empiètement de ces terres. Ce qui signifie que plus de personnes seront déplacées et ainsi l'insécurité alimentaire l'insécurité en soi conflictuelle va accroître. Je vous donne un exemple au Cameroun, dans la zone de Maroua, où nous avions travaillé, où la plupart des communautés, où la plupart des terres sont détenues par les Larouanes et les Djawaro, nos chefs coutumiers et culturels. Ça veut dire que la plupart des communautés louent la terre. Qui dit restauration dit que la terre va augmenter en valeur. Ça veut dire que la plupart des communautés, et surtout les femmes qui utilisaient, qui louaient les terres pour la cueillette, ça veut dire que ça avait un impact sur eux. Il est important pour remédier à ce défi
que les projets prennent en compte et que les projets doivent être conçus en tenant compte des différents arrangements fonciers coutumiers et flexibles. On a tendance à penser aux arrangements fonciers institutionnels. Qu'est-ce que la loi dit? Mais aujourd'hui, lorsqu'on va sur le terrain, on se rend compte qu'il y a énormément de flexibilité et d'arrangements coutumiers qu'on doit absolument prendre en compte. Et surtout, comment assurer et mettre en place des stratégies assurant que les utilisateurs vulnérables, comme les femmes et les jeunes, qui accèdent à ces terres comme filet de sécurité sociale, comment est-ce qu'on doit assurer que ces efforts ne les impiètent pas? Par conséquent, il faut faire un grand processus de scoping et vraiment comprendre quelle est leur valeur ajoutée et comment est-ce qu'on peut assurer qu'il y a des activités alternatives de revenus. Donc, aujourd'hui, une terre qu'on restaure, on la met en défense. Qu'est-ce que ces femmes feront? Qu'est-ce que ces jeunes feront? Il faut trouver des alternatives à ce processus. Le troisième point que je veux souligner, c'est que parce que la restauration des terres profite principalement et essentiellement à ceux qui ont la terre, certaines femmes et jeunes dans nos communautés sahéliennes et même en Afrique centrale sont particulièrement défavorisées. Celui qui n'a pas la terre, comment est-ce que des activités qu'on accentue sur... Donc, lorsqu'on parle de reverdir ou revitaliser nos écosystèmes, il ne faut pas seulement penser à l'aspect terre, il faut également penser à l'aspect des utilisateurs. Ces femmes, ces jeunes, ces communautés défavorisées, comment est-ce qu'on assure vraiment, bien qu'il n'y ait pas assez à la terre, comment est-ce qu'on met en place le processus pour leur favoriser, pour leur avoir un accès? Et je vous donne un dernier exemple de la région de Tawa. Très souvent, on parle du Niger qui a restauré 5 millions d'hectares de terres dégradées. Et cette région de Tawa est vraiment au cœur de cette zone restaurée. Et les femmes n'ayant pas droit à la terre dans cette zone particulière ont demandé aux chefs coutumiers de leur donner une zone dégradée pour qu'ils fassent des activités marécageuses. 5 ans plus tard, l'activité a bien donné, ils ont bien géré leur terre, elles ont commencé à être reverdies. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de la communauté qui avaient abandonné ces terres sont enfin revenus pour dire « Ah mais non, cette terre appartient à mon arrière-arrière-grand-père ». Donc, il faut nous la restituer. Donc, il y a un besoin, lorsqu'on parle de gouvernance, ce n'est pas seulement les structures locales, les comités locaux qui sont mis en place pour penser qui a droit à la terre, comment, mais c'est tout l'environnement tout autour qui est important. Et pour finir mon intervention, j'aimerais vraiment souligner le rôle du secteur privé avec 2 points. Le premier point, c'est qu'on s'est rendu compte depuis 5-6 ans que la restauration des terres a un réel potentiel de business. On savait pendant longtemps qu'il y avait un apport économique dans certaines des communautés, mais là, je pense qu'on dira qu'il y a un aspect business de la restauration. On voit énormément d'entreprises, par exemple celle dont Ousseini parlait, adax.com, il y en a énormément. Et dans le cadre du Land Accelerator dans lequel on travaille, cette année, on a travaillé avec 100 entreprises, 100 PME africaines œuvrant dans la restauration des terres. Mais il faut faire attention. Étant donné la complexité de nos communautés, la complexité de la cohésion, de la gouvernance, la complexité du statut sécuritaire de ces zones, il faut faire attention à l'ajout d'un acteur externe. Qui dit secteur privé, très souvent, ce sont des acteurs externes à la communauté. Donc, il faut savoir à quel moment les introduire dans le processus et quelles valeurs ajoutées est-ce qu'ils auront. Le dernier point que je souhaite souligner, c'est que ces derniers temps dans le Sahel, on parle de la Grande Muraille Verte et du potentiel avec énormément d'engouement et d'engagement financier des parties prenantes, que ce soit la Banque mondiale, l'Agence de développement ou secteur privé. Mais aujourd'hui, si on veut restaurer les 100 millions d'hectares pour la Grande Muraille Verte, c'est vrai que le secteur privé a sa place. Mais aujourd'hui, il faut qu'on soit également réaliste sur la place et l'impact que le secteur privé peut avoir. Il est clair que nos communautés auront toujours le dessus et le plus grand impact sur nos terres. Et il est clair également que le secteur privé est nécessaire pour atteindre ces 100 millions d'hectares. Mais plus d'informations et plus de recherches sont nécessaires pour réellement comprendre quel est l'impact probable
de ce nouvel acteur dans cette complexité qu'on connaît déjà. Donc, merci. Merci, merci beaucoup, Madame Mahamadou, pour les 4 points que vous avez mis en exergue. Nous allons y revenir précisément pour voir comment, par rapport à tout ce que vous avez mis en lumière, comme en disant nous devons faire attention, nous devons faire attention. Maintenant, nous allons parler tout à l'heure de comment on fait attention, précisément comment, en tirant avantage du potentiel de chacun de ces 4 aspects-là, comment on fait attention pour néanmoins catalyser une paix, une prospérité bien partagée. Notre troisième discutant et intervenant est quelqu'un qui va nous éclairer davantage sur les aspects de politique publique. C'est son rôle, c'est aussi son rôle éminent parce qu'il est un facilitateur de la coopération sous-régionale. Et je voudrais donc inviter M. Mohamadou à nous dire, qui est le secrétaire exécutif du CILS, à nous dire qu'est-ce qui doit changer dans l'action publique en général et surtout dans la coopération sous-régionale pour que l'utilisation des terres, des ressources en eau en Afrique de l'Ouest et du Centre cesse d'être conflictogène et que leur gouvernance puisse contribuer effectivement et durablement à la paix et à la prospérité, y compris en tenant compte de tout ce qui est risque. Parce qu'en réalité, quand on parle de potentiel à mettre en œuvre, quand on parle de retour sur investissement, il faut accepter qu'il y a des risques à prendre. Et s'il y a quelqu'un qui est celui qui atténue les risques et qui permet en sorte que, fait en sorte que les risques ne bouffe pas entièrement le profit ou le retour sur investissement escompté, c'est la puissance publique. Monsieur Mohamadou, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un plaisir pour moi de participer à ce débat sur un sujet d'une brillante actualité et qui est également au cœur des préoccupations du CILS, l'organisation que je dirige. Merci donc aux organisateurs. Avant de venir aux propositions, je voudrais d'abord dire quelques mots sur les tendances lourdes qu'on voit aujourd'hui, sur l'action publique régionale et internationale sur ces questions, sur la conflictualité autour des ressources naturelles et enfin sur les leçons et les défis pour conclure et répondre à votre question. Je voudrais d'abord juste rappeler, comme l'ont fait les prédécesseurs, que quand on parle de l'économie au Sahel et en Afrique de l'Ouest et du Centre, c'est essentiellement basé sur l'agriculture et les ressources naturelles. Je pense que c'est important à retenir. Ces ressources sont en dégradation continue depuis quelques années, malgré des réussites localisées comme celle dont nous a parlé Kalilou tout à l'heure. Nous avons donc pour cette raison des systèmes de production conflictuels en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons, c'est important de le souligner parce que c'est pas assez dit souvent, que sur les 5 dernières années, d'après les études que le CILS mène avec ses partenaires, que la production agricole a régulièrement augmenté en Afrique de l'Ouest sur les 5 dernières années, malgré des zones déficitaires, on peut dire chroniquement déficitaires, parce que les facteurs aggravants ces dernières années, c'est l'insécurité civile et évidemment la COVID-19 qui a entraîné la fermeture des frontières et a perturbé de ce fait les échanges entre les pays et entre les régions. C'est aussi limité à cause de l'autre tendance lourde qui est l'accroissement démographique qui, d'une certaine manière, neutralise ces excédents agricoles. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est des enjeux, les défis sont importants. Défi d'abord de la préservation et de la restauration des terres. Défi de l'accès à ces terres. Salima vient de le rappeler, même quand on les restaure souvent, les règles locales tendent souvent à défavoriser certains groupes. Et évidemment, sa gestion, qui est du fait à la fois des États, des collectivités, des communautés, mais également des exploitations familiales qui détiennent
l'essentiel des terres en Afrique de l'Ouest. Il faut les souligner aussi. En général, plus de 70, même plus de 80% dans certains pays, des terres appartiennent à des exploitations familiales. Voilà donc dans un premier, ce premier point sur les tendances lourdes. Quand on parle au niveau des ressources naturelles, au niveau régional, on entend les bassins fluviaux, donc c'est tous ces cours d'eau, les fleuves, les lacs, on a le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, le lac Tchad, etc. Il y a environ 25 bassins transfrontaliers de ce type en Afrique de l'Ouest. C'est aussi les ressources pastorales qui sont également des ressources partagées depuis une réglementation de la CEDEAO qui date de 1998. Donc, ça intègre à la fois les pâturages, les couverts végétales, mais également les ressources hydriques. Il y a également un certain nombre de ressources partagées, notamment des parcs arborés. Vous connaissez tous ces parcs, notamment le plus emblématique, c'est le parc du Doubé, qui est partagé par quatre pays de la région. Vous avez également des ressources foncières partagées dans les zones frontalières. Hein, vous avez ces régions et ça a des impacts hein, sur d'un côté ou de l'autre de la frontière. Je sais que récemment, il y a quelques années, il y avait un achat massif de terres entre le Niger et le Nigeria, évidemment, de par les business funds. Donc voilà, quand on parle des ressources naturelles partagées au niveau régional, de quoi on parle. Maintenant, quelle est l'action publique au niveau régional depuis les indépendances? Alors, il y a un certain nombre de communautés régionales, la CEDEAO, la CEMAC et puis d'autres organisations comme l'UEMOA qui rassemblent un certain nombre de pays, qui visent surtout l'intégration et qui ont qui promettent aussi des politiques régionales d'intégration en matière de développement, qui mettent en œuvre également des projets régionaux, que ce soit sur la dégradation, la restauration des terres ou sur les questions d'environnement. Vous avez également un certain nombre d'institutions scientifiques dédiées aussi à la compréhension, à la production d'outils d'aide à la décision. C'est le cas d'ICILS, qui a été créé en 1973, justement, au lendemain des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel et dont les missions principales, c'est justement lutter contre les effets de la désertification et de la sécheresse, mais également lutter contre la sécurité alimentaire et aussi assurer la maîtrise de l'eau qui constitue un enjeu important pour le Sahel. Donc, vous avez également un certain nombre d'organisations chargées de gérer les bassins partagés. C'est par exemple l'autorité du bassin du Niger, c'est l'OMVS pour le cas du fleuve Sénégal, vous avez le fleuve Mano, vous avez le Mono, vous avez le lac Tchad. Pour tous ces bassins, il y a des commissions dédiées à leur prise en charge. Donc, ça, c'est des réponses politiques, institutionnelles et même au-delà et des pays de la région pour mieux gérer les ressources naturelles. Cela a permis quand même non seulement d'éviter les conflits, surtout entre les États, mais également de développer des outils importants en matière de suivi et gestion de ces ressources-là. Ça fait partie des choses que le CILS fait, notamment à travers le Centre régional Agrimet de Niamey. Alors, mon troisième point, c'est la conflictualité autour des ressources naturelles. Et je vais dire les cinq types de conflits qu'on voit. Monsieur le Président, je vais aller rapidement, je sais que vous risquez de m'interrompre. D'abord, c'est le conflit entre les États. Dieu merci, à cause de tous ces dispositifs mis en œuvre, jusque-là, on a pu gérer les conflits entre les États autour des ressources naturelles. Il y a eu quelques risques, mais ils ont été gérés. Entre le Burkina et le Ghana, entre le Niger et le Bénin, entre le Burkina et le Mali, etc. Il y a eu des choses qui ont été gérées. Il y a les conflits entre les États et les populations. Ça a été rappelé autour, par exemple,
des espaces protégés autour de l'accès, de la gestion des terres. Quelqu'un a parlé de ce pluralisme juridique que nous avons dans nos pays, qui fait qu'il y a une superposition des lois et souvent c'est source de conflits entre les États et les populations. Vous avez les conflits entre les acteurs eux-mêmes. Je crois que M. Ba a rappelé tout à l'heure un cas, disons, qui allait plus loin parce qu'il y a la décision de faire autre chose, mais je sais que les conflits entre agriculteurs et agriculteurs, entre éleveurs et agriculteurs et entre éleveurs eux-mêmes sont souvent les plus importants en Afrique de l'Ouest. Vous avez des conflits de tout niveau, il y en a deux, des conflits entre les communautés et des acteurs impliqués dans l'agro-business. Souvent, ça ne se passe pas toujours très bien parce que, faute de dialogue ou alors des risques que tout ça engendre pour les populations. Il y a le dernier dont je vais parler, c'est le conflit entre l'État et les acteurs non étatiques. Bah, rappelé tout à l'heure l'intrusion des groupes jihadistes dans la gouvernance des ressources naturelles. Évidemment, s'ils ont réussi à s'y impliquer, c'est parce qu'aussi il y avait de la malgouvernance foncière dans ces régions. Et vous le savez tous aujourd'hui que parmi les causes des conflits entre les États et ces groupes, il y a ces ressources naturelles. Les groupes jihadistes arrivent même à délégitimer les États pour dire, par exemple, dans les zones protégées où ils permettent aux populations d'accéder aux ressources, qu'en fait, les ressources appartiennent à Dieu, elles n'appartiennent pas aux États. Donc, nous, on vous permet d'accéder à ces terres-là. Donc, c'est toute la zone frontalière aujourd'hui entre le Burkina, le Niger, le Bénin et le Mali. Donc, ça, c'est le dernier cas dont je voudrais parler. Alors, quelles sont les leçons et les défis rapidement dont on peut parler? Je crois qu'au niveau régional, les principaux défis, c'est souvent le conflit entre les enjeux, les intérêts au niveau national et les enjeux régionaux. Même quand il y a des textes au niveau régional, souvent, leur application au niveau national pose problème. Je vais parler, par exemple, du cas du problème du foncier. Il y a eu beaucoup de concertations sur le foncier. Le CIF, ça a été un acteur important, notamment de la vision Sahel 21. Mais l'harmonisation des politiques foncières, les États ont manqué de grande volonté pour le faire. Il y a, par exemple, les questions de transhumance. Il y a des textes liés à la transhumance transfrontalière, mais certains États également, pour des intérêts nationaux, n'appliquent pas toujours la réglementation en vigueur. Il y a également souvent la faible articulation entre les niveaux régional, national et le niveau local. Ce n'est pas toujours bien articulé. Il y a également, de mon point de vue, les investissements ne sont pas aussi importants dans la gestion durable des terres ni dans la préservation des écosystèmes. Il reste beaucoup à faire pour changer, pour apporter des transformations structurelles. Pour aller vite maintenant dans les solutions, pour moi, il y a peut-être une invariant, c'est vraiment le dialogue. Dialogue politique d'abord au niveau des États, parce que je pense que c'est des questions assez sensibles et il faut du dialogue politique pour faire avancer certaines grandes questions au niveau régional. Il y a le dialogue aussi au niveau, je dirais, au niveau citoyen. Et quand je parlais du Sahel 21, ça a été un formidable mouvement de concertation au niveau de la société civile, des organisations paysannes, des institutions. Et je pense qu'actuellement, avec tout ce que nous vivons, j'emploie souvent la formule suivante, c'est que nous au Sahel aujourd'hui, on est un peu choqués
On a perdu des repères avec tout ce qui nous arrive. On a besoin d'une grande mobilisation pour encore avoir une vision pour le devenir de notre région. Ces conflits, finalement, nous ont même conduit à un certain repli sur nous-mêmes. Et les gens ne comprennent pratiquement pas ce qui leur arrive aujourd'hui. Donc moi, je suis partisan d'une grande mobilisation citoyenne au Sahel pour que les gens reprennent de l'initiative. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a perdu l'initiative face à tous les maux qui nous arrivent en ce moment. Enfin, il y a du dialogue aussi entre les différentes échelles, que ce soit au niveau régional, national, mais également au niveau local. Ils en ont largement parlé, Salima et tous les trois, d'ailleurs, puisqu'ils sont partis du niveau local, et pour montrer comment il faut davantage impliquer les niveaux locaux. Parce que j'ai rappelé tout à l'heure qu'au fond, 70 à 80% des terres dans nos pays appartiennent aux exploitations familiales. Donc, toute volonté de changer les choses doit commencer d'abord par les impliquer, les écouter sur quelle est leur propre vision de la suite. Parce que aussi, je crois profondément qu'une approche territoriale est importante aujourd'hui pour accélérer le développement agricole, pour préserver les écosystèmes. On n'a plus beaucoup de résolutions. Je me suis pas trop étendu tout à l'heure sur l'articulation entre le niveau régional et international. Vous savez qu'il y a toutes ces conventions, les trois principales qui ont été élaborées sur la biodiversité, le changement climatique et la désertification, avec l'appui évidemment des régions, de nos régions qui ont joué un rôle important. On se souvient du sommet de Paris où les États africains ont parlé d'une même voix. Donc, il y a tout ça, mais il faut que ça s'articule aussi avec le niveau local parce que tout ça ne fait pas forcément sens au niveau de nos communautés. D'où l'importance de ces dialogues et de la production des connaissances, comme l'a dit M. Ba tout à l'heure. Je crois profondément à la production des connaissances, à la mise à l'échelle de toutes ces technologies. Le Sahel a un patrimoine, je dis souvent, en termes de technologies agroforestières et d'innovation. Mais elles ne sont pas mises à l'échelle. Il y a la nécessité de mettre à l'échelle toutes ces innovations, toutes ces technologies-là. Il y a enfin la question de l'anticipation. Je crois qu'une des faiblesses de nos États, c'est l'anticipation. On voit tous ces signaux qui arrivent, qui ne sont pas évidents, mais on ne prend pas souvent les dispositions à temps, et à tous les niveaux d'ailleurs. Moi, je verrais bien, ça fait partie de mes initiatives au niveau du CILS, de créer un GIEC, une sorte de GIEC au niveau de la région Sahel, Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, pour mieux nous renseigner sur ce qui nous attend avec tous ces phénomènes extrêmes qui surviennent. Demain, s'il y a des pénuries d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, peut-être qu'il y aurait des pénuries d'eau demain. Et qu'est-ce qu'on fera s'il y a plus d'inondations aussi? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On voit bien les effets. Alors qu'on luttait contre la sécheresse, maintenant, notre gros problème maintenant, c'est même les inondations. Donc, c'est des sujets importants sur lesquels on a davantage besoin d'anticiper. Je vais m'arrêter là, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Mouamadou. Le modérateur s'est transformé en modératrice très temporairement. Je crois qu'il y a eu un petit problème de ligne pour monsieur Nyakadja. Donc, il m'a demandé de prendre au pied levé jusqu'à ce qu'il puisse se reconnecter correctement. Donc, nous avons à ce stade effectivement pu bénéficier de vos quatre très, très riches présentations. J'ai trouvé qu'elles étaient non seulement riches, mais qu'à bien des égards, elles se faisaient de manière tout à fait intéressante écho
Et ce n'était pas tout à fait par hasard non plus, puisqu'on a quand même travaillé à ce casting de manière effectivement à ce que ces différentes facettes que vous avez soulevées nous montrent peut-être essentiellement, je dirais, deux choses. Cette articulation fondamentale et qui peut-être pendant très longtemps n'a pas été au cœur d'une discussion comme celle que nous avons l'occasion de tenir aujourd'hui, qui est précisément le lien entre tous ces enjeux liés à l'environnement, pour faire court, et les enjeux de gouvernance politique qui malheureusement souvent se manifestent de manière négative par des conflits actualités. Je crois que vous avez bien illustré précisément cette nécessaire mise en connexion des enjeux environnementaux et des enjeux, on va dire, politiques. Et tant qu'on ne fait pas ce lien, on risque de ne réussir à redresser la barre ni de côté ni de l'autre. Et vraiment, tous les quatre, vous avez mis l'accent sur cette dimension-là et je vous en remercie. Et peut-être l'autre élément qui était commun à vos présentations et aussi au reflet des expériences que vous avez vous-même vécues dans le travail sur le terrain, c'est cette articulation tout aussi difficile, tout aussi souvent probablement à ce stade, entre le travail très local et ce que le secrétaire exécutif du CILS appelle ce passage à l'échelle. Et on voit, on a entendu parler de ce travail sur la gomme arabique, sur les acacias, on voit qu'il y a un travail qui se fait, il y a un potentiel énorme qui peut être très bénéfique sur le terrain, mais ensuite, comment effectivement assurer que le passage à l'échelle se fasse et que soit le passage à l'échelle, on va dire, géographique dans la compréhension globale, mais surtout comment les politiques peuvent être conscients de l'importance du côté bénéfique de ce travail. Et parfois, comme notre ami nous l'a rappelé aussi, il peut y avoir aussi des biais cachés. Donc, comment ce passage à l'échelle peut être organisé? Donc, ça serait peut-être ça ma principale question à ce stade, puisque je souhaitais effectivement peut-être rebondir vers vous quatre en vous ressollicitant sur une question, et ça serait celle-là. Comment pensez-vous ou comment avez-vous des exemples concrets de ce passage à l'échelle réussi? Et ensuite, je vais repasser la main, je pense, à notre vrai modérateur qui a pu nous rejoindre. Je pense que sa connexion est meilleure. Donc voilà, si vous êtes d'accord, M. Nyakadja, je propose ce premier tour de questions, enfin, cette question comme premier tour de discussion entre nos quatre panélistes et vous reprenez la main. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, je partage tout à fait la question que vous avez posée, à savoir le passage à l'échelle comment. Et je souhaite que nos panélistes nous disent en peu de mots et d'exemples comment est-ce qu'on passe à l'échelle, tant le passage à l'échelle au niveau communautaire, mais aussi le passage à l'échelle au niveau national, et en particulier les zones frontalières, qui sont aussi des zones difficiles précisément pour une cohérence dans la gouvernance des terres et des ressources naturelles. J'ai suivi avec grand intérêt les trois discutants et les commentaires qui ont été suivis. Pour le passage à l'échelle, moi je voudrais vous proposer deux ou trois pistes. Et moi en tout cas je résume la discussion sur les conflictualités en lien avec les ressources naturelles à quatre dimensions. La première dimension, c'est les conflits persistants. Les conflits persistants, qu'il s'agisse du bassin du lac Tchad ou du Sahel, nous voyons aujourd'hui que les communautés font face à des conflits persistants. Il y a des conflits qui datent d'un siècle, il y a des conflits qui datent de 50 ans. Donc chaque fois que des pouvoirs ont changé, les conflits ont changé par rapport à la terre
et les ressources naturelles. Donc, le passage à l'échelle, c'est d'abord de comprendre, je dis bien, la réalité des conflits persistants. Le deuxième type de conflictualité, c'est les conflits émergents. Aujourd'hui, nous voilà à des conflits comme les revendications catégorielles liées aux États et surtout l'islam politique qui apparaît dans nos États. Le troisième, c'est les conflits récurrents liés aux rébellions successives. Et le quatrième, c'est les conflits globaux. Vous le savez tous que les guerres en Afghanistan et en Syrie, en Irak, d'une façon générale... Monsieur Ba, oui? Monsieur Ba, dites-nous le comment. Le comment, c'est le comment qui nous importe ici. Comment on passe à l'échelle? Oui, je vous dis, monsieur Lakadia, il faut que vous soyez un peu patient pour que je vous dise le comment. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Le temps n'est pas avec nous, malheureusement. Nous devons passer... Oui, je comprends, mais soyez un peu patient parce que vous êtes tout dirigiste à votre méthode aussi. Vous devez un petit peu nous donner. C'est-à-dire ce que je veux vous dire, c'est que le passage à l'échelle n'est pas automatique. Le passage à l'échelle est lié à l'évolution des conflictualités. J'ai parlé de quatre types. Je les termine. Les conflits persistants, les conflits globaux et les conflits, je dis bien émergents, les conflits récurrents et les conflits globaux. Il faudrait voir aujourd'hui comment, dans nos pays, ces conflits globaux aujourd'hui se sont étendus sur des pôles. C'est-à-dire, si vous prenez la zone du Gourma central, je dis bien, si vous prenez le Delta central, si vous prenez le bassin du lac Tchad, et aujourd'hui, les communautés sont contrôlées par des groupes armés. Donc, le pôle aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est que les États n'ont plus d'emprise sur les fonciers dans les pays. La plupart des espaces aujourd'hui sont contrôlés par les djihadistes. À partir du moment où, au Mali aujourd'hui, 80% du territoire est contrôlé par les djihadistes, au Burkina. Donc aujourd'hui, l'échelle, c'est-à-dire juridique, l'échelle institutionnelle est réduite. Donc il faudrait aller avec des nouveaux débats, c'est-à-dire il faudrait trouver des formules de dialogue avec les nouveaux maîtres. Ces formules peuvent être des débats doctrinaux, ça peut être aussi des formules de dialogue au niveau local. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc, moi, c'est là où moi j'insiste. C'est qu'il est difficile aujourd'hui, quelles que soient les formes de développement proposées, qu'on parle de muraille verte, qu'on parle de programme de développement, tant qu'on n'a pas, je dis bien, la capacité de discuter avec ces nouveaux acteurs, ces djihadistes, il sera difficile. On peut bien spéculer sur les méthodes, on peut bien spéculer sur les approches, on peut bien spéculer sur toutes ces méthodes, je dis bien, de restauration, de construction des sols, de terre. Tant que ces nouveaux maîtres, on n'arrive pas à discuter avec eux, on n'arrive pas à comprendre comment ils sont en train de contrôler le djihad défensif et le djihad offensif qui est en train d'aller dans la zone du golfe de Guinée, il va être difficile de trouver des échelles, monsieur Nakadia. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, monsieur Ba. Vous avez mis l'accent sur les nouveaux maîtres. Vous avez ensuite proposé deux axes essentiels, à savoir les débats doctrinaux et le dialogue local, comme comment. Merci beaucoup, monsieur Ba. Qui d'autre de nos panélistes voudrait aussi nous parler de comment on passe à l'échelle? Une question critique, comment on passe à l'échelle, tant au niveau politique qu'au niveau communautaire, et j'ai mis l'accent aussi sur les zones frontalières qui sont des zones difficiles de gestion. On voit bien ce qui se passe dans les zones des trois frontières, par exemple. Qui voudrait prendre le relais? Puis-je, par exemple, demander à M. Mohamadou ou alors M. Kalilou, M. Mohamadou, le passage à l'échelle? Je voudrais dire d'abord que c'est une question importante pour nous parce que nous sommes un outil de coopération régionale, donc chargé de dupliquer les bonnes pratiques, de gérer les connaissances, d'harmoniser les outils au niveau des États. Par exemple, on a parlé de l'eau ce matin et les solutions d'irrigation, comment on les met à l'échelle au niveau des pays. Les forums de dialogue aussi, comment on met ça au niveau des pays. Par exemple, là, nous encourageons le dialogue entre les pays du Sahel et les pays côtiers
autour des questions de transhumance. Nous encourageons le dialogue autour de, du commerce transfrontalier. Par exemple, là, on a une opération pilote autour de la Tabaski, comment on sensibilise les gens. Donc, ça fait partie de notre métier au niveau du CILS. Je voudrais dire que, d'un autre point de vue aussi, puisqu'on parle de la gestion des terres, je crois que si on regarde les projets régionaux aujourd'hui, pour la plupart, c'est des exemples de mise à l'échelle. Salima a parlé tout à l'heure de la région de Tawa, qui est une des régions emblématiques où il y a eu la restauration des terres et tout ça. Et quand on va dans cette région, bon, moi, j'ai travaillé 15 ans dans la recherche agricole. Donc, j'ai l'expérience de ces régions. On voit bien tout le processus par lequel on en arrive à trouver un consensus autour de la récupération des terres, autour de la mise en production, autour de la commercialisation des produits. C'est des expériences qui peuvent être également mises à l'échelle. Et toutes les technologies utilisées dans la restauration des terres aujourd'hui au Sahel et en Afrique de l'Ouest, elles proviennent en fait de la plupart des pays de la région. Donc, c'est une sorte de mise à l'échelle des innovations au niveau régional. Maintenant, la préoccupation aujourd'hui dont a parlé M. Ba, c'est d'une certaine manière le dialogue politique. C'est la gouvernance foncière au niveau de nos États. On est dans des situations très contrastées. On a des conflits, comme il l'a dit, émergents, où le dialogue devient un instrument politique important pour les États. Et je pense que tous les États, enfin la plupart de ces États qui sont concernés par les conflits émergents, sont dans des processus aussi pour permettre aux différents acteurs transfrontaliers. Je mets une parenthèse pour dire un mot sur cette question, parce que j'ai représenté le Niger dans le processus de ce qu'on appelle le processus d'Alger. Et vous savez que tous ceux qui touchent le Niger touchent le Mali. Et la question était de savoir comment faire en sorte que l'expérience du Niger puisse servir au Mali, parce qu'on n'a pas eu le même type de gouvernance au niveau local. J'ai écrit un article sur ça, mais je peux en parler longuement, mais je m'arrête là pour dire, même à ce niveau, il y a des possibilités de mise à l'échelle. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Mahamadou sur la même question de la mise à l'échelle, mais on va faire un peu plus court puisqu'il nous faut maintenant prendre les questions de nos participants. Avec plaisir, très brièvement, moi je veux organiser mon intervention sur le fait qu'on doit être réaliste sur la difficulté de casser les barrières. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du nexus entre la restauration des terres, l'aspect politique, le foncier, il faut savoir que toutes ces grandes thématiques ne sont pas discutées conjointement dans ces pays. Il y a différentes structures et c'est ça le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se rassembler. Moi, la proposition que je fais, c'est qu'au niveau local, qu'on agrandit, qu'il existe déjà des structures locales de gestion dans la plupart des villages, dans la plupart des régions, qu'on s'assure qu'on multiplie ces structures dans toutes les entrées, donc au niveau communal, au niveau district, qu'il y ait des structures locales pour vraiment gérer les ressources communes, et que ça soit accompagné de local bylaws, comme on les appelle en anglais. Ce sont des droits locaux, des droits adaptés aux besoins locaux pour vraiment créer une certaine cohésion de cette gestion. Maintenant, ça, c'est au niveau local. Au niveau national, cette cohésion des pensées doit se mettre en œuvre.
il doit exister un processus conjoint, une plateforme conjointe où toutes ces parties prenantes viennent discuter, pas seulement pour discuter, mais pour identifier une stratégie commune, une vision commune du besoin. En 2000, le Niger est souvent cité en tant que pays phare qui a vraiment restauré, et aujourd'hui je parle en tant que Nigérienne, mais ce n'est qu'en 2019 qu'à travers une semaine de la restauration qu'on a réussi à amener différentes parties prenantes sur la même table. Ils étaient étonnés, c'est pas normal. Sachant qu'il y a eu un ex, donc on doit casser ce truc, ramener les parties prenantes, je ne dis pas de casser les ministères, mais ramener à travers des plateformes pour qu'on dispute, pour qu'on crée une vision commune. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sécurité au Sahel, à aucun moment vous n'entendez le ministère de l'Environnement qui parle des aspects sécuritaires. Lorsqu'on parle du djihadisme qui s'étend dans nos communautés, pourquoi est-ce que le ministère du Développement Rural, le ministère de Finances, pourquoi eux n'en parlent pas? Ça veut dire que ces thématiques sont discutées que particulièrement dans les ministères, dans les institutions spécialisées. Et si on veut créer une cohésion sociale, on doit se dissiper de cette... Et dernièrement, au niveau régional, je suis d'accord qu'on a ces initiatives, mais moi, je pense que trop d'initiatives tuent l'initiative. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, on en a juste beaucoup trop. Il y a l'initiative AFRSA, la Grande Muraille Verte, le Sahel Vert, l'Alliance du Sahel. Et c'est important, elles ont toutes des thématiques très importantes. Mais aujourd'hui, quelle est la cohésion de toutes ces initiatives dans un plan stratégique? Qui fait quoi? Et aujourd'hui, la plupart de ces initiatives ont des objectifs, mais n'ont pas de plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pour arriver à cette initiative? Chaque année, qu'est-ce qu'on cherche à faire point par point, thématiquement? Et je pense que ça, lorsqu'on arrivera à le faire au niveau régional, au niveau national, et il y aura des structures au niveau local pour prendre tous ces acquis en œuvre, on arrivera à une mise à échelle de ces différentes thématiques. Merci. Merci beaucoup, Madame Mahamadou. Vous avez été très spécifique sur 4 points. On va y revenir. Je vais prendre les questions de nos participants, mais en introduisant aussi M. Kalilou sur la question de la mise à l'échelle. M. Kalilou, alors comment vous voyez la mise à l'échelle? De manière ramassée, j'aimerais d'abord conceptualiser le mot sécurité pour qu'on puisse me suivre. D'abord, par sécurité... Monsieur Kalilou, malheureusement, nous n'avons qu'une minute pour cette question-là avant de passer aux questions des participants. Et ces questions sont déjà nombreuses. Donc, si vous pouvez faire court, je vous en serai vraiment gré. OK. J'aimerais dire qu'il faut investir dans le capital humain. Renforcer la sécurité humanitaire, qui est un volet de la sécurité nationale, parce que l'environnement, comme a dit bien Salima, je dirais l'environnement de développement multisectoriel et multidimensionnel approche du problème de sécurité au niveau du Sahel. Nous avons déjà des interfaces à travers des comités militaires, paramilitaires et civils dans les zones frontalières, dans le Liptako-Gourma, au niveau du lac Tchad, au niveau de la zone frontalière avec la Libye et l'Algérie. Donc, si on investit dans le capital humain, si on investit dans l'environnement et si les secteurs, les différents agents de l'État communiquent, donc on peut passer à l'échelle suivante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'ai par exemple la question de M. Maman Issoufou, qui est chef de mission de Terre des Hommes, et qui pose la question suivante à M. Ba. De par vos exemples, j'ai compris que les terres sont accaparées aux autochtones sans contrepartie. Pour quelles raisons? Ce sont des terres non exploitées, par exemple? En parlant de gouvernance de la terre de façon globale, est-ce qu'il est judicieux de laisser les terres qui peuvent s'exploiter
afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Monsieur Ba, pouvez-vous en quelques mots répondre à la question de Monsieur Maman, s'il vous plaît? Monsieur Ba? Est-ce qu'on a perdu Monsieur Ba? Si on a perdu... Je suis là. Oui. Alors, donc, vous avez entendu la question de Monsieur Maman? Oui. Oui. Donc, les terres sont... j'ai bien compris. J'ai lu la question. J'ai compris. Je vais vous répondre. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends fort bien. Merci. Non. La question dans ces zones, c'est que avant la crise de 2012 au Mali et l'extension de ces conflits dans le Sahel, eh bien, il y a toujours eu des relations, et je dis bien de subsidiarité, entre autochtones et allochtones. Et dans le delta central du Niger, entre la zone inondée et les zones exondées. Dans la zone du Gourma, entre les éleveurs des pays qui se retrouvent dans les zones transfrontalières. Dans la zone du bassin de Lac Tchad, entre les communautés, je dis bien, qui se retrouvent tout autour des 4 ou 5 pays qui se retrouvent autour de ce bassin. Mais le problème aujourd'hui, ce n'est pas un accaparement. Le problème aujourd'hui, c'est que l'État s'est éloigné. Et tout ce qu'on est en train de dire, je vous le dis, monsieur le modérateur, soyons en tout cas beaucoup plus attentifs. Quelles que soient les politiques, les stratégies, si nous ne contrôlons pas l'espace qui est aujourd'hui entre les mains des groupes armés, les données changent. On peut les discuter dans les bureaux, on peut les discuter à Paris, on peut les discuter, c'est les maîtres des lieux qui décident. Je vous donne un exemple. Et dans la zone du delta intérieur du Niger, vous le connaissez, il y a les animaux quittent la transhumance. Ils viennent en novembre pour entrer dans le delta. Il y a 30 points de traversée. Ce sont les djihadistes qui contrôlent les 30 points de traversée. Donc, c'est eux qui dictent le tempo avec les hiérarchies traditionnelles, les gestionnaires des ressources. Donc, l'État n'a pas d'emprise. Les représentants de l'État ne sont pas là. Deuxième exemple, je vous parle du Debo, le Waladou Debo, les ressources communes. C'est ce qu'on appelle les commons. Il y a 3 millions de bovins qui se retrouvent entre le mois de mars et le mois de juin dans la cuvette du Waladou Debo qui fait partie des zones protégées, c'est-à-dire des sites Ramsar. Donc, vous pensez que, et ça, je dis bien avoir une négociation, ces 3 millions de bovins, c'est vital pour ces bovins, ce sont les maîtres des lieux qui décident. Donc, je me résume en disant, les relations ont été exacerbées et les nouveaux maîtres ont instrumentalisé les conflits en fonction de leur idéologie et de leur vision, ils s'imposent. Donc, les États n'ont pas d'emprise. Et tout le monde est parti. Et qui est resté? Ce sont les communautés locales, les institutions, les chefs de village, quelques élus. Et ils s'appuient sur ces gens. Ils ne remettent pas en cause la capacité de ces acteurs locaux, mais ils remettent en cause la doctrine de l'État. Ils remettent en cause la gouvernance de l'État. Ils remettent en cause la démocratie de l'État. Ils remettent en cause l'État de droit de l'État. Donc, ils proposent un pluralisme juridique qui s'appuie sur l'islam, les coutumes et les traditions. Là-dessus, faisons beaucoup attention. Nous allons continuer à proposer des idées, mais nous n'avons pas la capacité de les mettre en œuvre. Pour les mettre en œuvre, il faudrait descendre, aller voir les communautés et discuter, pas seulement avec les djihadistes, avec les autorités, les légitimités locales qui sont ce qu'on appelle les conseils des familles dirigeantes. C'est comme ça dans la zone du Lac Tchad, c'est comme ça dans la zone du Sahel et c'est comme ça dans la zone du delta central du Niger. Je pense merci. Avoir... Oui, vous avez fort bien éclairé la question qui a été posée. Merci, M. Ba. Madame Halila Issoufou Maman a aussi posé une question à M. Khalilou. Elle dit, quel est le taux de production de la gomme arabique par rapport à son importance dans le PIB du Niger? Et elle voulait savoir si la culture de l'acacia a servi à restaurer de grandes étendues de terres dégradées. Et est-ce que cela a fait l'objet d'un projet de type mécanisme de développement propre MDP au Niger, qui pourrait profiter au Niger et aux communautés? Monsieur Khalilou? Une très bonne question.
J'ai énuméré parmi les difficultés le problème d'archives au niveau au Niger quand j'ai été pour faire la recherche sur le terrain. Il y a beaucoup de data, beaucoup de chiffres conflictuels. Je ne veux pas m'hasarder à donner un chiffre, mais on sait que l'agriculture, selon FAO, constitue 49% du PIB au Niger. Quelle est la portion de la gomme arabica, la production agricole? Ça, vraiment, je n'ai pas rencontré un chiffre. Mais on sait que c'est deux différentes versions. La version RECA Niger qui donne un chiffre d'affaires de 150 à 750 millions de CFA de production par an, alors que FAO donne une fourchette de 9300 à 1408. Donc, vraiment, c'est, si on investit de manière massive et durable dans la production de la pomme arabique, ça peut contribuer beaucoup à la restauration des terres et à la sécurité sociale. Halima et moi avons discuté brièvement de la restauration d'Ilela et autres parties du Niger, et aussi un report de la commission des Nations Unies sur la lutte contre la désertification qui montre que l'investissement dans la restauration des terres est plus rentable et moins coûteux que l'aide à l'humanitaire. Et dans ce rapport de 2014, il y a eu, par exemple, à Galma et autres régions du Niger qui ont été reverdies et que ça a renversé ou inversé la tendance migratoire et la densité de la population dans ces régions-là. Il y a des programmes, beaucoup de programmes nationaux dans la réponse contre la dégradation de l'environnement et, et du changement climatique au niveau national par le gouvernement du Niger, aussi avec les partenaires internationaux. Allez-y. Oui, je vous laisse sur ce que vous avez dit rebondir et demander à M. Mohamedou. Par rapport à ce que M. Ba a dit, vous qui êtes le facilitateur de la coopération sous-régionale en tant que secrétaire exécutif du SILS, il a insisté sur la nécessité d'avoir un pluralisme juridique, sur la nécessité de compter avec les nouveaux maîtres, et sur le fait de faire en sorte que ceux-là puissent à tout le moins être autour de la table d'une façon ou d'une autre pour pouvoir convenir de comment on catalyse la restauration et comment on enracine la paix. Est-ce que le SILS parle de ça? Est-ce que le SILS parle des choses dont M. Ba a parlé? Merci beaucoup. Oui, nous parlons de ça parce que nous sommes évidemment interpellés par ce qui se passe dans ces régions. Peut-être que je vais de construire ce qu'il a dit, quand il parle de nouveaux maîtres. Je pense que c'est, pour moi, c'est des acteurs des arènes locales. Je veux dire, on a parlé du dialogue tout à l'heure comme étant une des réponses. Je pense que ces gens-là, ce n'est pas des nouveaux maîtres. Ils font partie, il y a peut-être un rapport de force au niveau de certaines localités, mais je considère que ils font partie de ce qu'on pourrait appeler des gens frustrés ou des exclus du système de gouvernance que nous avons connu jusqu'à présent. Il faut les mettre dans le dialogue. C'est ça la réponse. Et je crois qu'on a déjà parlé de cette question. Le SILS envisage de faire un programme sur justement conflit et gestion des ressources naturelles au Sahel pour pouvoir produire des outils d'aide à la décision. Le maître mot, c'est
de pouvoir dialoguer avec ces gens-là, parce qu'ils sont des acteurs importants de ces arènes-là. Je veux dire, c'est un cas spécifique au Mali. On n'a pas ce type de problème au Niger, on n'a pas ce type de problème au Sénégal ou au Nigeria. Mais pour moi, il faut dialoguer avec des... D'ailleurs, ce dialogue est en cours. Je pense qu'il y a eu beaucoup de cas où il y a eu même des accords qui ont été signés entre eux, les organisations traditionnelles. Parce que c'est ça aussi, à mon avis, la reconstruction de l'État. Ça se fait parce que là, l'État est contraint. D'ailleurs, souvent, nos États sont tellement lourds qu'il faut les contraindre pour qu'il y ait des réformes. Et on le voit tous les jours, hein, pour réformer les États, il faut des contraintes, que ce soit parce qu'il y a des acteurs de la société civile, parce qu'il y a des acteurs internationaux qui interviennent, ou parce qu'il y a des mouvements sociaux. Donc, pour moi, c'est un mouvement social parmi tant d'autres. Je ne parlerai pas de comme des nouveaux maîtres. C'est très localisé, là où il y a des rapports de force entre eux. Maintenant, dans quelle mesure... J'arrive. Je peux parler? Oui, en fait, vous pourriez, en parlant aussi, répondre à ce qu'a dit Mme Mahamadou. Elle a dit trop d'initiatives tue l'initiative. Et il y a effectivement beaucoup d'initiatives dans la sous-région et qui s'ignorent parfois et qui parfois ne coopèrent pas, qui n'ont même pas de pistes convergentes en ce qui concerne leur plan stratégique. Vous, comment vous répondez à cette préoccupation et nous devons convenir qu'elle a raison? Elle a parfaitement raison. Il y a une prise de conscience de cette situation. J'ai participé, mais il y a déjà 2 ans, j'étais au Conseil de l'Entente à une réunion sous l'égide de l'Union africaine sur une meilleure rationalisation des ressources au niveau des organisations. On avait même proposé que qu'elles se spécialisent en fonction de leurs avantages comparatifs. Mais vous savez, ces organisations ont une histoire, il y a plusieurs filières décisionnelles. Regardez la Grande Muraille Verte. C'est une initiative de l'Union africaine. Quand vous prenez la coalition pour le Sahel, c'est une initiative franco-allemande qui complète les dispositifs Barkhane et autres dans le ITM, dans le Sahel. La vérité dans ce que vous dites, mais ce n'est pas seulement la faute des responsables politiques, hein, souvent. C'est aussi notre faute en tant que responsables de ces organisations-là. La Grande Muraille Verte, elle devrait s'en servir. Ça me permet de répondre à une question que je vois dans le chat là. Je crois que c'est de Madame HP, c'est écrit HP là. Et je pense que la Grande Muraille Verte devrait être le laboratoire pour le transfert des technologies développées en Afrique. Parce qu'elle part du Sahel depuis le Sénégal jusqu'en Éthiopie. Mais si je vous dis que quand j'ai pris fonction il y a 6 mois, j'ai demandé, mais qu'est-ce que le CILS fait avec la Grande Muraille Verte? On m'a répondu que bon, on a signé un accord, mais pour l'instant, on n'a rien fait de bon si ce n'est pas participer au comité d'organisation. Je vais d'ailleurs la semaine prochaine au Conseil des ministres de la Grande Muraille Verte. C'est dire que c'est souvent nous-mêmes, la faute nous-mêmes des cadres, nous-mêmes, des responsables de ces organisations. Elle aurait pu être vraiment l'organisation qui permettait le laboratoire pour toutes ces innovations, pour tout ce qui est gestion durable des terres. Qu'est-ce que nous faisons au CILS? Je continue à répondre à la question. Oui, en conclusion, sur votre réponse, je vais passer la parole à Mme Ramadou, s'il vous plaît. D'accord. On est en train d'organiser un consortium CILS, Grande Muraille Verte, NEPAD, pour justement adresser cette question de transfert des technologies. CILS, nous voulons mettre en place une plateforme régionale de gestion durable des terres avec un système d'information et de suivi qui va des communautés jusqu'à la plateforme au niveau du CILS. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a actuellement à la Grimette de Niamey une plateforme numérique de gestion durable des terres où on peut consulter qu'est-ce qui se passe dans la sous-région. Et corrélé à ça aussi, parce qu'il faut faire du concret, moi je suis pragmatique, tant qu'on parle, tant qu'on ne va pas chez les communautés, on ne fait pas grand-chose. Tous les programmes régionaux que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir injecter dedans
pour ce que nous appelons aujourd'hui innovation, meilleure pratique qui se passe dans la région ou ailleurs. Par exemple, dans le domaine de l'eau, on dit qu'on a une coalition mondiale pour le Sahel. J'ai dit, mais il faut que, par exemple, qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde entier en matière de mobilisation de l'eau. Qu'est-ce qui se passe en Bolivie, en Amérique du Nord, en Asie, qui ont des problèmes d'eau. L'Asie a des problèmes d'eau. Qu'est-ce que nous, on peut faire avec tous ces modèles-là? Merci, je m'arrête là. Merci. Monsieur Mohamed, vous saviez, si on pouvait déjà commencer par s'inspirer de ce qui se passe bien, de ce qui marche bien dans notre région, ce serait excellent. Souvenez-vous, absolument, par exemple, la génération naturelle assistée des terres a beaucoup marché au Niger, dans le sud-est du Niger, qui est juste au nord du Nigeria. Pendant que cet exemple-là n'a pas été reflété au nord du Nigeria. Et finalement, c'est la rébellion du nord du Nigeria qui a complètement détruit ce qui s'est fait au sud-est du Niger. Donc, si on pouvait déjà partager ce qui se fait bien dans la sous-région, ce serait excellent. Madame Mahamadou, vous avez parlé du risque qu'il y a, d'abord du potentiel de la restauration par rapport en termes de business, mais du risque qu'il y a à introduire un nouvel acteur dans la communauté en ce qui concerne la gouvernance des terres. Vous qui travaillez avec Land Accelerator et qui avez travaillé avec plus de 100 entreprises, comment vous faites pour réduire ce risque-là? Par rapport à ce risque, nous essayons au maximum de travailler avec des entreprises locales qui travaillent directement avec des communautés. Il est important de noter que lorsqu'on parle d'entreprises, je parle de petites et moyennes entreprises. On ne parle pas des grandes entreprises de coco, de thé ou de coton qui ont historiquement intervenu dans la restauration des terres. Mais aujourd'hui, on parle des petites PME, on parle des entrepreneurs, je parle des agriculteurs. On a également des agriculteurs qui deviennent investisseurs, qui achètent des terres dégradées, qui les restaurent et qui les revendent ou qui continuent à acheter. Donc, on essaie au maximum de travailler avec les PME. Et pour cela, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille d'abord dans les pays avant de les agréger au niveau régional. Donc, on fait un premier scoping dans les pays pour comprendre quelle est la dynamique et quelles sont certaines de ces entreprises qui travaillent dans les communes. On collabore énormément avec les partenaires techniques et financiers qui sont présents. Parce qu'il est important de noter qu'un seul partenaire ne pourra pas le faire. Donc, on travaille avec eux pour identifier quelles sont certaines des agences ou des entrepreneurs ou des PME avec lesquelles ils ont pu travailler par le passé qui peuvent nous recommander. Donc, on fait un premier scoping au niveau national et on fait un premier renforcement de capacité de ces entreprises au niveau national. Lorsqu'elles sont relativement compétitives, on choisit les plus compétitives qu'on ramène dans un deuxième programme d'accélérateur, pas de renforcement de capacité, mais d'accélérateur, mais au niveau régional. Et là, on les regroupe ensemble, et pas seulement de les former, mais de créer un groupe, une plateforme d'échange. Aujourd'hui, à travers ces 100 entreprises, on a eu des entreprises du Tchad, du Mali, du Sénégal, du Togo, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Et donc, c'est un network qui se crée, où pendant longtemps, la notion de business n'existait même pas. Et même dans certains pays, ils nous disent qu'il y a énormément de résistance. Donc aujourd'hui, créer ce network donne de la force à ces entreprises, mais également créer une notion de cohésion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est. Mais je tiens à souligner qu'on n'est pas les seuls. Il y a énormément d'engouement dans ce besoin de secteur, dans la place du secteur privé. Et c'est pour cela que je veux tirer la sonnette d'alarme en disant c'est bien de les inviter, il est important de les inviter, mais il faut le faire stratégiquement, savoir à quel moment est-ce qu'ils doivent intervenir et surtout savoir comment est-ce qu'ils doivent intervenir. Parce qu'au final, qui prend, je reprends les mots de monsieur Abdoulaye Ducis qui dit que ça, si on ne va pas sur le terrain, ben on n'a encore rien fait. Donc, si ces communautés, si ces PME ne travaillent pas avec les communautés locales, donc on n'a rien fait. Le dernier point que ces communautés nous permettent de faire, c'est qu'ils nous permettent de montrer la grandeur de la chaîne de valeur de l'agroforesterie et de la restauration.
Pendant très longtemps, lorsqu'on parle restauration, on voit les pépinières, les productions de, du coton, du miel. Donc, le business as usual, le status quo des entreprises. Mais aujourd'hui, on voit des entreprises qui sont dans le marché du carbone, des entreprises qui sont dans la technologie de la restauration. Donc, il y a énormément de leçons et d'innovations qu'on découvre à travers ces entreprises. Merci, merci beaucoup, Salima. Merci beaucoup. Malheureusement, le moment est venu de conclure. J'aurais aimé avoir, en ce qui me concerne, au moins 30 minutes de plus pour pouvoir discuter avec vous. Nous allons faire un dernier round pour que chacun de vous puisse conclure. Mais j'ai une question là devant moi. Je la pose quand même, je vous la pose, M. Ba, pour qu'en y répondant, vous puissiez conclure. Mais en une minute, vous êtes d'accord avec moi qu'il faut quand même gérer le temps, n'est-ce pas? Alors, une question de Mme Elvie Villon. Elle dit, pour les différents types de conflits, je pense qu'on obtiendrait de meilleurs résultats si les différents dialogues n'étaient pas conduits par des parties prenantes, mais par des personnes extérieures au conflit. Qu'en pensez-vous? Monsieur, la parole, rebondir sur ça et ensuite donner son, sa remarque de conclusion. Monsieur Ba? Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Non, entre les conflits et ceux qui les gèrent, il va falloir voir aujourd'hui comment les conflits évoluent. La réalité est, pendant des années, nous étions sur les conflits conventionnels, et entre les États eux-mêmes et entre les États et les partis. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des conflits asymétriques et hybrides. C'est ça la difficulté. Je vais vous dire une chose. Et contrairement à ce que mon frère, le directeur exécutif du SILS, pense très rapidement, monsieur Abdoulaye, que c'est-à-dire que les acteurs, ils sont localisés. Ils ne sont pas localisés. Aujourd'hui, ils contrôlent. Quand je dis c'est les maîtres, peut-être c'est exagéré, mais tous les États aujourd'hui fragilisés par ces conflits. Le Mali aujourd'hui est extrêmement englouti. Mais le Niger, aussi bien que le Burkina, sont en voie de l'être. Et dans quelques mois ou quelques années, nous risquerons de voir des situations extrêmement graves. Vous avez vu que la situation est en train d'aller vers le golfe de Guinée. Il y a un djihad défensif pratiqué par des groupes et un djihad offensif pratiqué par des groupes. Et l'Al-Qaïda et le JNIM le font. Mais Daesh et l'État islamique sont dans une autre approche et vous avez vu les conséquences pour nous tous. Donc à ce titre, par rapport à la question du dialogue, moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revitaliser le dialogue. Et il est difficile, dans un contexte de guerre asymétrique et de guerre hybride, de mettre en place un dialogue conventionnel. Il va falloir trouver le processus multi-acteur qui est difficile, mais tout dépendra des rapports de force. Malheureusement pour nous aujourd'hui, les rapports de force, qu'ils soient dans la zone du Gourma central ou dans le centre du Mali ou le nord du Mali, les rapports de force sont favorables aux groupes armés. Donc s'ils sont favorables aux groupes armés, le dialogue ne peut pas être équilibré. Il va être déséquilibré. Pour conclure, s'il vous plaît. Ma conclusion. Oui. Ma conclusion est la suivante. Moi, j'ai beaucoup retenu des expériences diversifiées des collègues qui sont très intéressantes en termes non seulement d'action de développement dans un contexte de gestion des terres, des problématiques innovantes telles que développées par Madame Salima, mais les politiques publiques aujourd'hui et leur échelle telles que développées par Abdoulaye. Moi, je pense en conclusion, je dois vous dire que le monde a changé et qu'aujourd'hui, nous sommes en train de revenir à des dynamiques où non seulement les politiques sont contrariées, les politiques publiques sont contrariées. Deuxièmement, vous avez vu ces nouveaux acteurs dont je parle, ils sont en train de définir des stratégies et de gouvernance. Monsieur Ba, je n'ai plus que 3 minutes pour tous les autres intervenants. Alors, oui, il y a une phrase, s'il vous plaît. C'est une nouvelle forme de gouvernance que ces maîtres des lieux dont je parle ont apporté. Donc, cette confrontation entre une gouvernance
basés sur des doctrines politiques et djihadistes et des gouvernances publiques, je dis bien ce face-à-face, va conduire à des chocs. Ou bien on engage une guerre, on les élimine, on engage les politiques, ou bien on négocie avec ces gens, mais ça a des conséquences et des coûts. Voilà ce que je vais dire. Merci. Merci beaucoup, M. Ba. J'aime bien la passion avec laquelle vous passez votre message. On pourrait y être encore dans une heure, je le vois bien. Je vais laisser la parole maintenant à M. Kalilou pour son mot de conclusion. Je sais que vous ferez beaucoup mieux en m'aidant à gérer le reste du temps qu'il y a. En concluant, je voudrais dire qu'il faut la présence de l'État, surtout dans les zones éloignées. L'État dans sa traditionnelle sécurité, ou ce qu'on appelle hard security, accompagné de l'aspect humanitaire et environnemental. C'est très important et j'insiste sur ça. Il faudrait aussi une approche ascendante, comme je l'ai énuméré, en incluant les traditions dans le mécanisme de la gouvernance des terres. Il est bon de prendre des parties qui sont intéressantes, qui peuvent être adaptées dans notre réalité sur le terrain. Et aussi, parce que le problème du Sahel, c'est qu'au niveau de la gouvernance des terres, notre sujet, est que nous sommes écartelés entre la tradition et la modernité imposée à nous à travers le partenariat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kalilou. Je voudrais maintenant laisser la parole à au secrétaire exécutif du CILS pour réserver la conclusion à la seule dame du panel. J'espère que les panélistes sont d'accord avec moi. Alors, monsieur le secrétaire exécutif du CILS, nous avons vu l'ampleur du défi. Nous avons vu aussi le fait qu'en réalité, les conflits sont devenus asymétriques et que certains se sont emparés pour en faire des conflits, y compris idéologiques, religieux et autres. Quelle serait votre piste, votre remarque de conclusion qui serait sur laquelle nous pouvons tous partir, vous qui êtes l'institutionnel du panel? Merci, monsieur le modérateur. Je pense que c'est une question à la fois complexe, mais intéressante, et c'est surtout la gouvernance de la Terre, parce que moi, je considère que tout part de là. Je pense qu'en Afrique, si on veut la paix, il faut investir dans les ressources naturelles. Parce que l'évolution historique de l'Afrique, telle que nous la voyons se dessiner, montre que c'est la voie par laquelle on peut se sortir des difficultés qu'on a aujourd'hui. Parce que il faut aller dans le cadre d'une approche territoriale. Moi, je regarde toujours les territoires au niveau local. Il y a des potentiels. Il faut aider les gens à pouvoir améliorer les terres qu'ils exploitent. Parce que si on ne le fait pas, les jeunes vont déserter les territoires ruraux. Mais ils vont aller où? Ils vont grossir les rangs des citadins. Ce n'est pas la solution. Donc, pour moi, parce que ça résout aussi, ça anticipe aussi les problèmes des conflits de demain, des conflits d'aujourd'hui et les résultats des mauvaises politiques et de la gouvernance depuis les années 60. Ce que dit M. Ba, il ne va pas dans le fond, je l'ai suivi dans d'autres circonstances où je sais que si on lui avait donné le temps de développer, il nous dira la raison principale pour laquelle il y a ces conflits. Parce que je dis toujours, il faut retourner à l'arène locale. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Abdoulaye. Et je conclue en disant... Oui? Oui, oui, s'il vous plaît. Non, je conclue en disant que il faut soutenir le dialogue depuis l'institutionnel CILS que je suis, aux États, aux collectivités territoriales, aux communautés et au niveau local. Moi, je suis un entrepreneur au niveau local. J'ai investi dans la restauration des terres. Et je sais que, pas en tant que privé, mais en tant que bénévole, en tant que ressortissant, comme on le fait souvent. Et je sais que c'est important et ça donne des résultats.
Merci voilà, beaucoup. C'est basé sur mon expérience personnelle. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, Madame Hamadou, le mot de conclusion vous revient. Quel honneur de clôturer, hein, étant le bébé du panel, je suis quand même assez honorée. Je veux finir en disant qu'il y a un besoin d'éliminer toute forme de cloisonnement. Je suis d'accord avec M. Abdoulaye qu'il faut discuter, mais il faut également qu'on retire nos casquettes thématiques pour vraiment venir sur la discussion, sur qu'est-ce qu'on fait pour nos terres, par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et le dernier point que je veux finir en disant, c'est qu'on oublie que la jeunesse actuelle n'est déjà plus présente dans ces discussions. Non, la jeunesse actuelle ne s'intéresse pas de ces thématiques. Et aujourd'hui, nos grands experts sur ce nexus, ce sont les anciens, comme on dit. Mais demain, on a besoin que ma génération, des gens comme moi, les jeunes, s'engagent davantage sur la compréhension de cette complexité et sur l'action de comment est-ce qu'on assure notre futur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Salima. Je voudrais, pour ma part, vous dire toute mon admiration par rapport à la manière dont vous avez apporté vos contributions. Je voudrais aussi emprunter à M. Abdoulaye le mot de conclusion. Il a dit, si on veut la paix en Afrique, il faut investir dans la gouvernance, une gouvernance territoriale, une gouvernance locale de la terre et des ressources naturelles. Et cela à travers un dialogue inclusif, décloisonné, qui implique tout le monde, y compris les jeunes. Merci à chacun de vous. Je vais laisser la parole à Carole pour vous dire mieux que moi son mot de fin. Carole. Merci infiniment à vous-même, notre magnifique modérateur, qui doit être très, très frustré parce que je pense qu'il a dû vraiment se réfréner de lui-même, entrer dans la conversation, tellement les contributions étaient passionnantes. Donc, merci Luc, vraiment, pour cette facilitation. Ils vous ont bien chauffé, là, nos panélistes, parce qu'ils étaient passionnés par leur sujet. Donc, j'ai trouvé aussi que c'était très intéressant pour cette raison-là. On sentait vraiment aussi à travers vos différentes interventions cette passion, ce besoin vraiment d'avancer. Et donc, je vous en remercie également, nos magnifiques quatre panélistes. Je voudrais aussi remercier notre équipe technique. Il ne faut pas les oublier. Ils nous permettent cette réalisation magique en ligne. Bien sûr, un grand merci aux partenaires, puisque ce moment partagé était co-organisé par Initiative et Changement et le DFAE suisse, le ministère des Affaires étrangères. Et puis, bien sûr, last but not least, thank you, Alan, my co-organizer of this webinar. Je ferai aussi un mot de conclusion moi-même, mais vraiment, oui. La minute est écoulée, donc je vais simplement dire que ça a été un grand plaisir aussi de proposer cette plateforme pour valoriser tout le magnifique travail de recherche de terrain, de politique dans laquelle vous êtes tous impliqués. Et pour notre part, c'est peut-être ça la plus grande utilité que nous pouvons avoir, c'est d'une part d'accompagner parfois à travers en tout cas le programme que je gère certains des partenaires dans ce travail plus localement, mais surtout de proposer des plateformes pour projeter vers les politiques précisément ces expériences, ces besoins. C'est tout le sens du séminaire que nous avons eu aujourd'hui. Et on en fera aussi un petit reflet, on en laissera une trace aussi sur le site d'Initiative et Changement, une petite synthèse écrite et un petit flash vidéo aussi seront une trace de ce que vous nous avez amené aujourd'hui. Donc, encore une fois, un grand merci à tous nos participants. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.